Les coffrets du Royaume développent 4 bûches 100% régionales pour la période des fêtes. Je les ai vues, croyez-moi, réservées dès maintenant. On en parle avec Sophie Tremblay. Sophie, nous sommes dans ton commerce aujourd'hui et j'ose dire que c'est presque de la torture parce que là, on voit les belles bûches, ça sent bon, c'est super beau. Comment est partie cette belle idée? Bien, en fait, l'an passé, quand j'ai fait l'achat des équipements de crèmerie, j'avais en tête de développer des produits dérivés avec les producteurs de la région. Donc, on a fait la première année, une demi-saison. Puis, vers la fin de l'été cette année, j'ai décollé des gâteaux. J'ai fait un test de marché, voir si les gens avaient d'intérêt. Puis, effectivement, ils ont eu beaucoup d'intérêt. Donc, je germais l'idée depuis longtemps d'avoir des bûches à la crème glacée enrobées de chocolat. Donc, mais là, on est ailleurs dans la bûche, là, parce que tout le monde a l'image d'une bûche à la crème glacée, mais avec d'autres choses dedans qu'on aime plus ou moins. Là, on est dans les ligues majeures de la bûche. Oui. Là, c'est exclusivement de la crème glacée, de la crème molle, dans le fond, qui est durcie. Avec, à l'intérieur, on met de la garniture de nos producteurs. J'ai 4 sortes de bûches. J'ai elle au brownies, qui est avec le brownies de chez Mermax, la crème glacée Nutrinor, le chocolat enrobé de chocolat d'Épart Trappist. Ensuite, j'ai celle au bleuet, avec toujours la crème glacée Nutrinor, le chocolat d'Épart Trappist et le coulis de bleuet des délices du lac. J'ai canneberge chocolat blanc, qui est de la cannebergerie. On a une garniture de la cannebergerie de Dolbeau. Ensuite, toujours la crème glacée Nutrinor et le chocolat blanc des Pères Trappist. Et puis, j'ai au macaron, avec les macarons de Macabon d'Allemagne ici. Le chocolat au caramel de la chocolaterie Pearson à Jonquière. Et puis, toujours la crème glacée Nutrinor. Et là, ça fait un tabac. Là. Je pense que là, comme on dit chez nous, tu as de la broue dans le toupette depuis que ton produit est vraiment... Les gens se l'ont approprié. Là. Oui, bien, en fait, on fait le lancement cette semaine. Dès maintenant, ils sont disponibles chez Métro, Dany Boutin, à Dolbeau-Missassigny et à Saint-Lucien. Vers la fin du mois d'octobre, ils vont être disponibles aussi chez Géant Normandin, le supermarché-là. Donc, c'est sûr. Puis là, on va faire le tour. En fait, il va y avoir d'autres points de vente qui vont s'ajouter. Puis, il va toujours avoir notre point de vente aussi ici en boutique là, qu'on va en avoir. Oui. C'est très diversifié ici comme service parce que là, on parle de la COVID. Évidemment, pour les parties de bureau, c'est pas évident, mais toi, tu as trouvé des solutions. Oui, bien, en fait, depuis le départ, les coffrets du Royaume ont fait beaucoup de corporatifs. Les entreprises nous appellent. On fait des paniers sur mesure, exclusivement avec des produits de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais cette année, je dirais que nous. Gros s'envol, puis on livre à domicile chez chacune des personnes. Donc, exemple, une grosse entreprise qui a 400-500 personnes, on est capable de tout le livrer à domicile, leur boîte, leur commande. On peut même livrer des kits. On en a un qu'on va livrer, un kit de déjeuner. Ah. Avec tous des produits exclusivement de la région, on livre des kits de 5 à 7 pour faire un vin fromage. On livre de n'importe quoi à domicile. Et comment on fait pour te rejoindre, Sophie? Par téléphone 668-4596 ou directement sur mon site web info@commercial.coffresdurayaume.com. Et là, il faut le dire, là, Sophie, là, on est bien début octobre, mais la folie, là, ça va démarrer. Là. Fait que si on ne veut pas se faire dire, on est complet, faut maintenant téléphoner ou prendre nos réservations. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup déjà qu'on a c'est en processus, même qu'on va commencer à livrer prochainement. Mais oui, en fait, on peut livrer de n'importe quoi. À mon avis, là, je vais prendre 5 livres juste à regarder les bûches du coin gauche, puis je vais espérer là, qu'ils vont en rester pour Noël. D'ailleurs, je vais faire ma réservation. Oui. Et merci beaucoup et longue vie à ta belle entreprise, Sophie. Merci beaucoup.